Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de télagamie et de green screen. La semaine dernière, nous avons parlé de télagamie. Voyons aujourd'hui comment intégrer notre avatar à une vidéo déjà existante. Par exemple celle-ci, qui traîne dans mon iPad. Revenons dans télagamie, vous vous rappelez ? J'enregistre mon avatar derrière un fond vert que j'ai trouvé sur Internet. Après avoir découvert la vie, nous avons fait un tour dans les sables. J'ai placé mon avatar à gauche car sur la vidéo, c'est l'espace qui est disponible. Une fois ma voix enregistrée, j'exporte la vidéo dans l'app photo. Rendez-vous maintenant dans l'application Green Screen. Je place ma vidéo Télagamie sur la première piste. Et sur la troisième, mes élèves qui sont en train de marcher sur le sable mouvant. On joue avec la palette de couleurs pour avoir un rendu propre. On remarque que la couleur verte n'est pas la seule que l'on peut utiliser. C'est fait, on va maintenant ajuster la longueur des pistes. On va surtout enlever le logo Télagami qui n'est pas très joli. On place le curseur au bon endroit. Puis on coupe en appuyant sur Trim. On répète l'opération pour chaque piste. Voilà, on peut lire un avant-goût de la vidéo. Il faut maintenant régler le volume sonore de chaque piste. J'ai plutôt envie d'entendre mon avatar parler. Je vais donc baisser le son de la vidéo de mes élèves. Il ne reste plus qu'à sauver le projet et l'exporter dans la pellicule. Merci de m'avoir écouté, c'était un prof des écoles pour Je révisais la maison. Allez, on regarde le résultat ? Lors de notre voyage à Saint-Malo, nous sommes allés une journée au Mont-Saint-Michel. Après avoir découvert l'abbaye, nous avons fait un tour dans les sables mouvants. C'était vraiment très drôle.